Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la vidéo aujourd'hui. À côté, nous allons porter tout ça qui a dominé l'actualité football là pour déclaration Kylian Mbappé te fait bail la presse. Mais ça a fait un pile parler un pile dans le pays l'Espagne. Kylian Mbappé, selon le journal, ça a été demandé avec l'équipe Paris Saint-Germain pour le vendre avec l'équipe Real de Madrid là. Bon, côté FC Barcelone, selon le ça fait qu'on a fait que tu as gagné l'argent déjà qui serait pour acheter Raheem Sterling et pourquoi pas Dani Olmo. Dans le pays d'Angleterre, c'est Alex Ferguson qui est vraiment critiqué, mais comportement Ole Gunnar Solskjaer pour te mettre Cristiano Ronaldo sous banc pendant le week-end. Ça. Toujours dans le pays d'Angleterre, mais Claudio Ranieri retourne sous banc une équipe anglaise qui c'est Watford et c'est nouvel entraîneur équipe ça. Dans le pays d'Italie, Paolo Di Bala a déjà joué une entente avec l'équipe Juventus de Turin selon le journal ça pour qu'il renouvelé jusqu'à 2025. Mais pour qu'il associé avec lui en attaque, et équipe Juventus de Turin qui déjà a pensé avec Vlahovic selon le journal ça. C'est une vidéo qui gagne tout ça qui a dominé l'actualité football. On apprend une petite pause tout petit à tourner après pause pour plus de détails. Pour on commence l'actualité dans le pays de la France avec le journal Le Parisien qui mettait à la une Mbappé confirme qu'il a voulu partir. Dans l'interview que Kylian Mbappé était par le journal L'Équipe dans le pays de la France et RMC Sport et mais définitivement il bail en pile confidence. Kylian Mbappé qui pas allé par quatre chemins puisque il est allé directement pour le faire qu'on ait que il était parlé avec l'équipe Paris Saint-Germain dans le mois de juillet qui se passe là, elle était fait qu'on ait que il était voulu quitter le club ici là. Et même sous situation actuelle, et bien fait qu'on ait que c'est vrai qu'il était parlé de Neymar après que Neymar pas fait passe Bali et mais définitivement toute bagarre ça va être en résoudre. C'est ça fait que le journal L'Équipe lui-même lui mettait à la une Kylian Mbappé. Je n'en ai pas plus loin pour le faire connaître que son transfert avorté au Real Madrid, l'arrivée de Lionel Andrés Messi au Paris Saint-Germain, l'euro raté avec les Bleus, la polémique avec Olivier Giroud, Kylian Mbappé n'esquive aucun des sujets qui ont fait actualité ces dernières semaines. Kylian Mbappé qui t'a profité pour te parler de performance pendant l'euro, et bien lui faire connaître que je n'ai pas été aussi bon que j'aurais dû l'être, mais il est conscient que les performances n'est pas au top pendant l'euro 2021. Mais je m'en ai tout qui allait plus loin pour le faire connaître que Kylian Mbappé lui déclarait partir était la suite logique. Et bien, durant l'interview, ça, Kylian Mbappé lui-même qui confessait qu'il voulait quitter l'équipe Paris Saint-Germain pendant match à 3. C'est vrai que Kylian Mbappé lui pas parlé de avenir, est-ce qu'il pourra quitter l'équipe Paris Saint-Germain ou bien est-ce qu'il pourra renouveler. Mais quand même, il fait déclaration pour le faire connaître que qui est-ce qui était capable de dire nous Lionel Messi à venir l'équipe Paris Saint-Germain. Donc, il y a un qui quittait un pile d'autres sous avenir dans l'équipe là. On va l'écouter dans le pays d'Angleterre avec le journal Daily Express qui vient avec des déclarations d'une légende d'équipe Manchester United là qui c'est Sir Alex Ferguson. Mais lui-même dans la déclaration, il fait connaître que comment faire, et bien, il y a Ole Gunnar Solskjaer qui commençait avec Cristiano Ronaldo sous banc. Le grand équipe où voulait gagner, ou veut commencer avec Pimo Element ou yo. Mais définitivement, il va vraiment critiquer le choix Ole Gunnar Solskjaer pour te mettre Cristiano Ronaldo sous banc pendant que l'équipe Manchester United là te fait seulement un match nul, un goal partout. Même Jounan Sato qui parlait de retour Ranieri dans la première ligue là pour le mettre à la une. Ranieri doit travailler. Mais il fait connaître Ranieri lui-même, ancien entraîneur équipe Leicester City dans le pays de l'Angleterre. Mais définitivement, il prend les rênes de Watford lui-même pour qu'il vienne entraîner dans la première ligue là. Une information qui est confirmée par Metro Sport lui-même qui fait connaître que Ranieri retourne au première ligue comme il prend l'équipe Watford là lui-même en charge. Et bien, mes amis, c'est désormais officiel. Ranieri lui retourne dans la première ligue là avec l'équipe Watford là. Juste avant que nous venions plus loin dans la vidéo, ça, qui donne un petit temps pour nous remercier tout le monde qui a mis un like, qui a commenté, qui a partagé la vidéo, ça. Même si vous avez ça, qui soit obtenu, mettez un like à ma vidéo, ça, qu'on y a, ça vraiment encouragé nous pour nous porter plus de vidéos pour vous toujours. Et si c'est pour la première fois que je viens ensemble avec nous, on a dit bienvenue dans la famille, ça, gagnez un bouton rouge dans la vidéo, cliquez sur lui pour vous abonner et activer la notification. Mettez sur tout comme ça, chaque jour pour recevoir toute sa capacité actualité football. Là. Dans le pays d'Angleterre, nous parlons directement dans le pays l'Italie avec Paolo Dybala qui fait la une dans le journal La Papier Rose là, qui c'est gaz de sport Jodia là. Et mes rénovations liées avec l'équipe Juventus de Turin assemblé plus près puisque le journal l'a fait qu'on est un accord qui joue mais pour renouveler capitaine d'équipe Juventus là. Mais qui t'a supposé renouveler avec l'équipe Silla jusqu'en 2025 et qui t'a supposé toucher 8 millions d'euros par année. Il y a un club qui a même levé 10 millions d'euros avec bonus et mes journal là qui mettait à la une Dybala 10 par 10. Il a toujours été dans le dossier transfert dans le pays l'Italie, notamment avec l'équipe Juventus là également qui t'a intéressé avec un autre joueur. En effet, Dusan Vlahovic même qui a joué dans l'équipe Fiorentina t'a vraiment intéressé mais l'équipe Juventus de Turin. Hein. Je n'aurai qu'à aller plus loin pour le mettre à la une, le plan Vlahovic. En effet, il a fait même situation avec qui est Zakreté acheté avec l'équipe Fiorentina également.
Yo ka mande yon prêt avec une option achat obligatoire pendant 2 ans. Mais définitivement, l'Inter ta supposé débarquer pour venir accompagner Dybala dans l'attaque équipe Juventus là. Nous avons toujours été dans le pays l'Italie avec Journal Corriere dello Sport qui vient avec un pile éloge pour Léon et pourquoi pas Victor Osimhen. Mais il fait qu'on est que Victor Osimhen avec Léon, c'est symbole de nouveau et de puissance qui vient dans la Serie A. Et Journal Corriere dello Sport qui mettait à la une les jeunes maîtres. Belle, fort et puis efficace. Aucun autre club n'a pas gagné privilège que l'équipe Napoli avec l'équipe Milan a gagné actuellement. Toujours dans le pays l'Italie cette fois-ci, bon côté équipe Inter de Milan, et bien gagné André Onana qui t'a supposé débarquer dans l'équipe ça. T'as même gagné un contrat verbal qui est en joint ensemble avec André Onana pour qu'il vienne faire challenge avec Andanovic. Mais en tout un journal là qui fait qu'on est tout bien Alexis Sanchez qui a fait adieu avec l'équipe Inter de Milan. On quitte le pays l'Italie, nous parlons directement dans le pays l'Espagne avec Journal Sport qui vient sous rénovation Gavi lui-même dans l'équipe FC Barcelone. Gavi qui t'a supposé renouveler avec l'équipe FC Barcelone jusqu'en 2026 selon le journal ça. Le FC Barcelone a fait contact avec entourage joueur pour essayer de vraiment là améliorer contrat et salaire dans le club là et il gagne une clause de 50 millions d'euros. Jeune pépite club catalan lui-même qui a fait début avec sélection espagnole là et il gagne une seule priorité dans tête qui s'est rété dans l'équipe FC Barcelone. Toujours dans le club FC Barcelone, nous pas venir avec le journal Mundo Deportivo lui-même qui mettait à la une marché d'hiver. Journal là qui fait qu'on est que gagne l'argent déjà pour acheter des joueurs. Journal là qui a l'épine pour le faire qu'on est que FC Barcelone qui est en disposition de 16 millions d'euros de fair play financier. Donc s'il t'a voulu acheter des joueurs dans le mois de janvier qui va venir là. Et bien actuellement, tu as gagné 2 joueurs qui priorité pour FC Barcelone pour le mois de janvier qui va venir là. C'est Raheem Sterling avec Dani Olmo. Et bien puis l'autre journal qui fait qu'on est que pour Raheem Sterling, il est déjà prêt là pour mettre maillot FC Barcelone dans son lit. Mais c'est le cas de Journal Sport lui-même qui mettait dans la page intérieure que Sterling est déjà fou pour qu'il vienne dans FC Barcelone. Mais footballeur qui a dit OK pour qu'il rejoigne dans le mois de janvier qui va venir là. Mais quand même, contrat qui a fini en 2023 avec Manchester City. Donc ça a compliqué à faire. Si que pas ta renouvelé contrat avec Manchester City, il va obligé vendre dans le mois de juillet qui va venir là. Mais quand même, FC Barcelone qui va obligé de débourser l'argent. On va aller toujours dans le pays l'Espagne, cette fois-ci, bon côté Real de Madrid, côté que déclaration Kylian Mbappé fait par le journal l'équipe, il fait un pile actualité. En effet, le journal Marca, bon côté Paris, il reprend une déclaration ça de Kylian Mbappé qui te fait qu'on est que dans le mois de juillet qui se passe là, moi te dit avec Paris si jamais que moi voulais aller. Et le journal qui allait plus loin avec déclaration Kylian Mbappé, toujours pour le faire qu'on est que club Paris si jamais te connaît que moi pas renouveler ensemble avec eux. Tout ça, moi voulais, c'était un transfert et eux te connaît ça. Et l'autre journal dans Ville Madrid là, lui-même qui s'est as limité à la union déclaration de Kylian Mbappé qui fait qu'on est que l'étape quitté Paris Saint-Germain seulement pour aller dans l'équipe Real de Madrid là. Toujours dans déclaration Kylian Mbappé, il te fait qu'on est que ça a vraiment te fait peur. L'équipe que président équipe Paris Saint-Germain te fait qu'on est que l'étape quitté aller libre dans l'équipe Paris Saint-Germain. Hein. Mais quand même, il était sollicité avec club ça pour être capable de vendre l'équipe Real de Madrid là dans le mois de juillet qui se passe là. Mais quand même, un soir venu, il fait qu'on est que vérité qui était hier, donc c'est pas lui-même qui l'a aujourd'hui et c'est pas lui-même qui a plat dans le futur. Donc il n'a pas vraiment l'a dit en rien sous avenir, mais quand même, donc il était voulu quitter l'équipe Paris Saint-Germain dans le mois de juillet qui se passe là. Nous allons retourner cette fois-ci avec un journal pour Barcelone, mais quand même qui venait avec une information qui concernait Real de Madrid. Le journal là qui commençait à poser des questions sous Ancelotti dans l'équipe ça qui fait un pile changement, donc ça qui t'a fait que l'équipe ça qui a pris un pile goal. Mais quand bien même, le journal a tout qui vient avec une autre information pour le faire qu'on est que Renovation Sergio Roberto est vraiment paralysé dans l'équipe FC Barcelone. Renovation de contrat, acheter l'autre joueur, Renovation Ronald Koeman, est-ce qu'il a prêté ou pas? Donc la porte a qui un pile travail dans l'équipe FC Barcelone. Et bien mes amis, c'est un plaisir pour nous de porter tout ça qui a dominé l'actualité football là pour sourire mes travail ça avant que vous allez partager vidéo ça pour nous t'en prie s'il vous plaît sur Facebook là, sur WhatsApp avec tous les amis qui aiment le football. Quant à nous même, nous abdou à la prochaine boîte vidéo. Que bon Dieu bénisse, songez pour préparer nous pour tout Christ là, son bagage essentiel, puisque quand qui joue vient sous terre, par contre qui joue à quitter.